Bonjour mes chers amis les balances. Donc maintenant c'est un tirage que je vais faire pour vous concernant les balances. Si vous avez l'ascendant en balance ou si vous avez la lune en balance, c'est pour vous ce tirage pour le mois de février et un petit peu le mois de mars également, bien entendu. Si vous connaissez quelqu'un qui est du signe de la balance, c'est pour vous évidemment. Donc c'est un tirage général, donc prenez seulement ce qui vibre en vous, bien entendu. Voilà. Merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Merci pour votre bienveillance. Merci pour vos nombreux commentaires. Je les lis pratiquement tous. Peut-être qu'il y en a un ou deux qui m'échappent parce qu'il y en a énormément. Parce que je les reçois sous la vidéo, mais également sur mon mail, sur VK, sur Instagram, TikTok, j'ai arrêté pour l'instant. Sur Messenger, je reçois beaucoup beaucoup de messages, donc c'est très très compliqué pour moi pour y répondre, mais en tout cas c'est du fond du cœur, vraiment, que je vous remercie pour toute votre bienveillance. Donc nous allons commencer. Pour les nouveaux abonnés, bienvenue sur ma chaîne. Vérifiez que vous êtes toujours bien abonné pour ceux qui l'ont déjà ou qui le sont ou qui croient l'être, parce que des fois YouTube joue des petits tours. Voilà, vous désabonnez, voilà. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore au courant, parce que c'est des nouveaux venus sur la chaîne, si je ne vous regarde pas, c'est pas parce que que je suis impolie, mais c'est parce que je vois des formes, des lettres, des phrases, des couleurs, etc., etc. Donc, voilà. Et donc, j'ai des messages pour vous. Alors, je vais faire une canalisation. Je vais voir pour le signe de la balance. Moi, vous savez, si vous me suivez, que ça va très, très vite. Et en consultation, vous en avez la preuve. Voilà. Alors, ce qui résulte de ma visualisation, c'est quand je vois balance, je vois tout blanc, tout blanc, tout blanc, ce qui est très positif, mais comme une lumière. C'est vraiment comme une lumière. Et plus je parle, quand je parle, en fait, il y a les mots qui viennent et qui enrichissent ce que je vois. C'est vraiment c'est comme une boule de feu en fait. C'est pas vraiment une boule, hein, mais ça représente presque une boule de feu, c'est-à-dire qu'il y a une énergie. Les balances, il y a une énergie que vous me dites que vous avez gardée depuis quelque temps en vous et que c'est maintenant que ça ressort. Il y a une forte énergie. Vous allez voir, vous allez déplacer des montagnes. Même, attendez, hein, ça va être bizarre ce que je vais vous dire, même à distance, ce qui veut dire en gros que vous allez. Je sais pas, c'est comme si vous allez lancer votre flamme, votre énergie, et vous allez attirer du monde, vous allez attirer des gens vers vous, et des événements également. C'est le moment, les balances, pour mettre les choses en place, pour concrétiser ce que vous avez de plus cher en vous, en fait. Alors, souvent, on dit que les balances, balance. On dit. Est-ce que c'est vrai? Ici, je ne vois pas comme ça. On dirait que vous faites un tout avec vos deux pôles, en fait. C'est-à-dire que normalement, par moment, vous êtes déséquilibré, vous hésitez. Voilà, il y a quelque chose qui ne va pas trop au niveau stabilité par moment, hein. Mais c'est simplement parce que vous pesez le pour et le contre, donc vous donnez l'impression des fois d'être instable. C'est parce que vous hésitez. Mais quel signe n'hésite pas, hein? Dites-moi. On attribue des fois ce qu'on appelle, on va dire, des qualités, voilà, différents des autres, à certains signes, parce que vous êtes balance, vous vous balancez, mais c'est pas vrai. Ici, c'est vraiment, vous faites qu'un avec vous-même, c'est-à-dire que vous êtes franc dans vos décisions, waouh, et les hésitations vont être moindres, vous allez moins avoir envie de réfléchir longtemps, longtemps. Longtemps, c'est vous les balances. Je me moque pas, hein? Je me moque pas. Voilà. Faites attention à vos cervicales. Faites attention ici. Est-ce que vous n'êtes pas un peu trop comme ça? Apprenez à vous mettre un peu droit, si je peux me permettre de vous le dire. D'accord? Et parce qu'on a tendance à faire avec le GSM. Donc, essayez, parce que je vois ici comme un creux. Donc, et un petit peu ici à ce niveau-là. Au niveau des trapèzes. Vous faites qu'un, c'est ce que je vois ici. Et donc vous êtes, c'est comme si vous ne voulez pas trop bouger.
Donc, vous avez été dans les réflexions et que maintenant tout se concrétise. Hein. On est bien d'accord. Et donc, même à distance, c'est comme ça que je le vois, vous allez attirer, vous allez, j'allais dire d'une façon magique, mais ce n'est pas magique, hein. C'est vraiment avec une intention, une force, un charisme, un regard, attirer à vous des événements et des personnes. On va venir chez vous pour des conseils. Votre avis sera très important. J'allais vous dire que ça vous change, mais vous savez que j'ai une petite voix. Pour ceux qui ne savent pas, je vais vous expliquer, j'ai une petite voix depuis peu qui me parle en fait, qui me rectifie ou qui me donne des informations. J'adore, j'adore. C'est vraiment étrange, mais j'adore. Et donc elle me dit en fait que maintenant, vous êtes vraiment sans hésitation. Vous l'avez été longtemps et maintenant vous avancez, vous avancez, vous avancez. Là où vous voulez aller, mais pas physiquement. C'est vraiment dans le mental et c'est vraiment comme si les événements venaient à vous. Alors que vous avancez, hein, c'est vous qui avancez puisque vous mettez les choses en place. Ça peut être au niveau le fait que vous êtes connecté, le fait que vous projetez du positif, du coup vous attirez encore plus vers vous. Donc vous avancez, mais pas dans le sens où vous commencez à comment dire, physiquement, à mettre un pas, puis l'autre pas, et ainsi de suite. Non, non, tout vient vers vous et c'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire, vous allez voir. Une fois essayé l'oracle. Non, c'est pas l'oracle G, c'est l'oracle des miroirs. C'est parce que j'ai l'oracle G ici. Et donc, du coup, il y aura des paroles. Vous allez échanger, vous allez discuter. Je vous dis, hein, je vous dis, c'est magique. Hein. Vous allez discuter, vous allez faire des rencontres, vous allez être entouré. Vous allez être entouré, vous allez partager j'allais dire vos connaissances, mais ma petite voix me dit non, c'est pas connaissance. Vous allez partager. C'est même plus joli, c'est un savoir en fait. Mais et aussi des paroles, simplement échanger, parler. On va être à votre écoute. C'est assez incroyable. Et c'est pas juste vos connaissances, c'est vraiment un plaisir de parler avec vous. On va avoir plaisir d'être avec vous, les balances. Il y aura du monde autour de vous. Je vous vois rayonner. Et vous savez très bien, puisque vous êtes de plus en plus connectés, les balances, il y aura du retard. Ce n'est pas un souci pour vous. Ça va vous permettre de vous poser. Ça va vous permettre d'apprécier chaque instant. Et ça, bien, par contre, ma petite voix me dit, ça c'est nouveau. Apprécier chaque moment, chaque instant, être dans l'instant. Ça, par contre, on me dit que c'est nouveau. Dites-moi si c'est nouveau pour vous. Il y a un nouveau départ pour vous, une essence pour certaines balances, mais il y a une essence aussi dans votre vie, c'est-à-dire votre façon de voir les choses. Vous allez de plus en plus rayonner. En tout cas, le mois de février, début mars, ça va être incroyable pour vous. Vous allez voir. Miroir magique, grande protection, grosse protection, grande protection pour vous, vraiment. Vous allez avoir plaisir à vous regarder également. Vous allez avoir plaisir à avoir confiance en vous. La lumière est en vous. La lumière est en vous. J'ai fait comme ça, la lumière est en vous, parce que c'est ça. C'est ça en fait, la lumière est en vous. C'est pour ça que vous allez rayonner de plus en plus. Ça a mis du temps, un peu de temps. Ici, on me dit que ce n'était pas un problème parce que ce n'était pas si long que ça. Parce que tout ce que vous avez appris, emmagasiné, waouh! Au point, comme j'ai dit au début, au point que vous allez, en projetant votre lumière, attirer du monde autour de vous. Et on va venir vers vous, juste pour des simples échanges aussi. Ça c'est après. Ça c'est après. J'étais vraiment avec vous.
boomerang. Tout ce que vous avez mis en place, tout va revenir vers vous. Alors on me dit, s'il y a des choses que vous avez mal mis en place, dans le sens où vous n'avez pas, pour certaines balances, attention, vous n'avez pas toujours été très, voilà, parce que les événements font, correct, on va terminer ma phrase, c'est parce que les événements font que la vie fait que des fois, ben, on est humain et on n'est pas toujours des anges, voilà. Donc du coup, ben, ça va vous revenir aussi un petit peu. Mais vous avez l'intelligence de comprendre que on est humain, qu'on a le droit de se tromper, faire des erreurs et d'accepter pour mieux avancer. Vous allez aussi récolter ce que vous avez mis en place dans le sens où votre patience nouvelle, votre nouvelle patience, ça veut dire votre acquise, votre patience acquise récemment, voilà. Parce que ça, je pense que ça n'a pas toujours été le cas. Va vous apporter énormément, énormément de lumière et va vous permettre de prendre des décisions. N'oubliez pas que je vous ai dit que je ne vais plus hésiter autant qu'avant, même pratiquement plus. Vous allez pouvoir prendre des décisions plus rapidement, ce qui va vous faciliter la tâche parce que ce n'était pas toujours facile pour vous et votre entourage. Excusez-moi, je fais comme ça, je vais vous montrer comment je fais. On peut les battre jusqu'à ce qu'une tombe, mais là, c'est un peu beaucoup. Ça ne marche pas toujours pour moi, ça dépend. Alors, ce que je fais, je les tire au milieu du paquet. Sauf que maintenant, ça tombe, il y en a trois, voilà. Il suffit que je dise, ne contredis pas. Donc, c'est vraiment ça rejoint. Donc, il y aura le retour par rapport à ce que vous avez semé et le boomerang qui revient en main. Donc, tout ce que vous avez mis en place va revenir vers vous. L'amour aussi. Il y a certaines balances qui ont perdu un peu l'amour, qui se sont senties un peu isolées, que ce soit en amitié, que ce soit en amour. Moi, l'amour et l'amitié, ça se ressemble hein, pour moi. Il faut autant nourrir l'amitié que nourrir l'amour. Hein. Ça va revenir vers vous. Ça va revenir vers vous puisque vous êtes beau, vous êtes clair, vous êtes lumineux. On me dit de faire attention à votre santé, c'est-à-dire penser à vous. Alors, on m'a écrit le mot, ne criez pas trop vite victoire dans le sens, faites attention à vous, d'accord? Ne dites pas, ah voilà, ça va, tout va bien. Je le sens, je me sens bien, je rayonne, je suis lumineux, lumineuse. Faites attention à vous. Pensez à vos cervicales, l'estomac. L'estomac, des lourdeurs à l'estomac. Je vous ai dit les balances. Vous avez bien fait de patienter. Cadeau. La vie va vous apporter des surprises, des cadeaux. Et appréciez chaque moment. Appréciez ce qu'on estime des petites choses ou ce qui nous est dû, c'est pas vrai. Appréciez chaque moment. Appréciez des gestes simples d'amis, de vos collègues, de la famille. Acceptez. Changement, beaucoup de changement, c'est comme une roue, ça tourne. Changement de saison, c'est un changement de saison qui va avoir beaucoup de changements pour vous. Vous allez prendre des décisions sans hésitation. Pour moi, ce que je viens de voir, la roue, elle tourne vite, 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 et pas saison par saison. Non, elle tourne, et va vous permettre, ça va vous faciliter la vie. Oui, peut-être que non,
Et là, ça va être, oui, c'est ça que je vais faire. Et personne pourra vous faire changer d'avis. Personne pourra vous faire hésiter. C'est fini d'être coupable. On va essayer, hein, puisqu'on vous connaît, hésitant. En fait, c'est pas hésitant, c'est juste peser le pour et le contre. On est toujours dans le jugement. L'autre est toujours dans, ben voilà, la culpabilité. On va vous juger. Voilà, on jette. Le temps est votre allié. Le temps est votre allié, les balances. Vous avez le temps. Il n'y a pas d'urgence. Même le retard ici était votre allié. C'est-à-dire que vous saviez que ce n'était pas une perte de temps, mais un gain de temps, le retard. Vous êtes hyper méga intelligent émotionnellement, mes chères balances. Ah, oh, je vais passer une super soirée, parce que je fais ça le soir maintenant. Super soirée, une super journée demain aussi. Voilà. J'hésite pour les cartes. Je vais. Ils sont ici. Les amours. C'est quoi? C'est les anges de l'amour. Voilà. Les anges de l'amour de Dorine Vertu. Je vous dis, hein, j'aime beaucoup Dorine Vertu. Même si elle n'est plus d'accord à sa sortie, tiens. Même si, voilà. Pour elle, elle était dans l'erreur en faisant ses cartes, ses prédictions. Moi, j'y crois encore jusqu'à présent. J'y crois toujours. Et. Je t'ai tourné vers Jésus-Christ. Et voilà. C'est sa vérité. C'est la mienne d'y croire encore. C'est la vôtre d'y croire ou de ne pas y croire à telle ou telle chose. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez, de se ressentir, d'être en fait d'être cohérent avec vous, tout simplement. Voilà. Chacun sa vérité. Respectez l'autre. Voilà. Vous allez faire de belles rencontres, des gens que vous connaissez déjà. C'est une relation karmique. Vous allez rencontrer des gens que vous dites, mais je connais, ou vous vous sentir tellement bien avec cette personne. Je vous dis, hein, vous allez rayonner, c'est un moment incroyable pour vous, c'est un moment magique, vous allez voir, vraiment. C'est une période vraiment que vous allez aimer les balances. Alors, pour ceux qui sont, parce qu'il y a des balances qui sont vraiment pas bien, qui sont difficiles à s'en sortir, vous allez voir, vous allez les sentir un peu mieux, vraiment. Et vous avez l'impression, donc, avec ces nouvelles personnes, ces nouvelles rencontres, que vous les connaissez déjà, parce que c'est simplement une relation karmique, c'est simplement des personnes que vous avez déjà, des âmes que vous avez déjà connues dans une autre vie. Je sais que c'est à l'envers, hein. Et c'est tellement agréable, en plus de rencontrer des gens avec en se disant mais c'est une évidence, tellement évident, se sentir bien avec eux. Et votre lumière, votre étincelle va encore briller encore plus, vous allez voir. N'hésitez pas à me marquer dans le commentaire ce que vous en pensez. Je fais mon petit marché là, hein. Je regarde, je vais tirer une carte. Pensez fort à une question. Il semblait que j'avais préparé quelque chose. Il n'est pas là. Dommage. Bon. Je vais vous la lire. Il n'y a pas d'image. Hein. Mon calme. Dès à présent, je laisse mon corps se détendre et se relaxer. Je calme toute agitation de mon mental, je m'autorise le calme afin que l'harmonie se réinstalle dans mon être. Ce grand calme que je ressens me permet de voir au-delà et me laisse maître de ma vie. Je vous dis, ça va être une période vraiment de construction mentale et d'émotion, de vie. Vous allez vraiment, vous qui étiez tellement dans des hésitations, ça va être tellement évident pour vous. Comme ces rencontres, comme ces
ces nouvelles rencontres, parce que vous allez rencontrer beaucoup de monde. Ça va être une évidence. Même quand vous allez, je vais refaire ça ici, même quand vous allez, bah, je vais refaire, je n'ai pas encore fait, Mademoiselle Lenormand, même quand vous allez, par exemple, devoir rencontrer les personnes pour une construction, pour des travaux chez vous, je sais pas pourquoi je dis ça, à mon avis, ça va vous parler. C'est comme si c'était évident de savoir ce que vous voulez et de leur parler. Vous allez vous co faire comprendre et on va vous comprendre. Ce qui n'a pas toujours été le cas. Les intestins, les balances, l'estomac et les intestins, ça c'est du passé. Donc vous n'allez plus le ressentir, mais soyez toujours attentive à votre santé, d'accord? Mais ça c'est du passé, c'est tout ce que vous avez emmagasiné. Et donc comme vous allez rayonner de plus en plus et que ça va être une période incroyable, bah, vous n'allez plus faire trop attention. Eh bien si, il faudra continuer à faire attention, d'accord? Les décisions importantes que vous allez prendre, nettes, et tranchante par rapport à votre foyer. Réconciliation. Et la solitude ne vous fait pas peur, mais dans le terme, dans le sens où être avec vous-même, ça vous va faire du bien aussi. Donc ça veut dire qu'en gros, il y aura réconciliation, mais pour la paix et pas pour dire j'ai pas envie d'être seule. C'est parce que vous avez trouvé un terrain d'entente si jamais ça ne va pas dans le couple. D'accord? Pour les célibataires, il y aura des rencontres magiques parce que vous êtes dans une période de rencontres magiques, karmiques. D'accord? Mais aussi parce que vous êtes bien avec vous-même. Vous êtes attentif avec vous. D'accord? Envers vous. Envers vous. Vous allez prendre des décisions nécessaires. C'est-à-dire que si dans votre couple, vous estimez que voilà, vous avez fait le tour, il n'y a plus moyen, vous avez besoin de vous retrouver vous-même, la décision va être prise. D'accord? Si vous voyez qu'il y a moyen de communiquer et qu'il y a moyen d'avancer, vous allez vous réconcilier. Ce n'est pas blanc ou noir, ce n'est pas ça que je dis. Comme c'est général, ce n'est pas pour tous les balances qu'il y aura rupture ou pas. Ici, ce que je veux dire, c'est que c'est clair, vos décisions vont être claires. C'est plus on va voir, on va réfléchir, on va essayer. Non. Si vous vous réconciliez, ça veut dire que vous avez des certitudes que ça va aller. Et plus d'hésitation, on verra bien, on va tenter. Non, c'est clair. Si vous avez pris la décision de dire c'est fini, c'est parce que vous savez que c'est comme ça et pas autrement. Parce qu'il n'y a pas d'espoir, il n'y a plus, c'est fini. On n'est pas obligé d'être toute sa vie avec la même personne. C'est sur Terre qu'on dit, hein, il faut que tu continues. Oh, 50 ans ensemble, mais c'est génial. Oui, si ça va bien, si c'est voilà, mais ce n'est pas une obligation. Alors, il y aura des changements de maison pour certains, des déménagements, parce qu'il y aura beaucoup de départs. Hein, ça va être général, ça, beaucoup de départs. Pour beaucoup de signes parce que la vie fait que pour l'instant les événements vont faire que les gens vont vouloir changer. C'est très très bien, je vous assure. C'est très bien. Et ça, on en parlera une autre fois. Et s'il y aura des changements de maison aussi, il y aura des frais. Mais on me dit, c'est pas grave, il y aura beaucoup de frais, c'est pas grave. Et alors, de l'argent, un héritage, une somme d'argent qui arrive. Et de l'argent aussi qui arrive professionnellement. Ça veut dire que vos projets vont aboutir. Vous serez surpris de ce que vous allez mettre en place, pas parce que c'est vos projets, mais parce que ça va fonctionner. Voilà. Et surtout parce que vous allez pouvoir avancer professionnellement d'une façon inattendue, avec des idées qui vont venir comme ça. La même chose quand je vous ai dit au début de la vidéo, c'est que vous allez tellement envoyer de la lumière que les événements et les gens vont venir vers vous. D'accord? Ici, c'est pareil. Ce que vous allez mettre en place par rapport à un changement professionnel ou par rapport à votre foyer, ça va prendre d'autres proportions que vous n'avez pas pu imaginer et projeter.
Ça va venir même une évidence. De nouveau, le mot, et c'est une évidence. Ça veut dire que pour vous, c'est logique ou c'est norme. Enfin, c'est une évidence que vous avez mis ça en place, puis il y a autre chose qui va se greffer, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors qu'au départ, vous n'avez qu'une simple idée ou un simple départ. Vous avez mis des choses en place pour, je ne sais pas, pour un déménagement, pour aller voir une maison. Et tout d'un coup, vous avez vu votre maison, puis vous avez vu comment l'aménager, puis vous avez rencontré des personnes qui peuvent vous aider. Enfin, et voilà, et ça va se mettre en place naturellement. Ça sera une évidence. En tout cas, prenez ce qui vient à vous, chère Balance. Prenez. Ça m'a fait vraiment plaisir de faire ce tirage pour vous. Vraiment, vraiment, vraiment. Je vais tirer une dernière carte. Mademoiselle Lenormand, mais je trouve ça, elles sont magnifiques ces cartes. Je vais tirer une carte, une seule, pour vous les balances. Et puis je vais vous laisser apprécier cette vidéo. On va essayer de voir qu'il y a une qui tombe, pas ici. Chez moi, elle tombe pas souvent. Je dis une carte, il y en a quatre. Je ne sais pas si ça va. On va voir. Alors, il y a la maison, il y a l'encre, il y a le renard, il y a l'épuisement et le puits. Voilà. Alors, ce n'est pas la maison, c'est les discussions, c'est les oiseaux plutôt. Ce n'est pas la maison, c'est les discussions. Il y a beaucoup, 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 il y a beaucoup de discussions. Il y aura beaucoup, je vous ai dit, hein, des échanges. C'est magique, hein. Il y aura des échanges. Les discussions, vous allez rencontrer plein de personnes, des nouvelles personnes, et ça va vous faire plaisir. Parce qu'il y a des personnes, il y a des balances qui sont un peu isolées, hein, d'accord? Vous allez rencontrer de plus en plus de personnes. À vous à mettre les choses en place aussi, hein, mais ça sera plus facile qu'avant. Je vous l'ai expliqué, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous allez vraiment être bien accroché. Ça veut dire, pour moi, c'est comme ça que je le vois, plus balancé. Et tout, vous avez espoir aussi. Ça aussi représente l'espoir. L'espoir dans ce que vous faites, mais pas dans le sens j'espère que, ou enfin un peu d'espoir. Non, non, ça veut dire que la lumière, pour moi, ça représente la lumière. Voilà. Et vous allez plus être ancré. Le renard représente la famille et le travail également pour moi. Alors, on vient de m'écrire le mot rusé. Vous allez voir, vous êtes rusé, mais dans le bon sens, dans le sens vraiment, comme je vous dis, vous êtes très, très intelligent émotionnellement, les balances. Et si professionnellement, vous allez, ben moi c'est comme ça que je le vois, retourner derrière vous, vous retournez, l'air de dire au revoir. Pour certaines balances, au revoir. Moi c'est par là mon chemin. L'abandon, rappelez-vous, vous allez abandonner tout ce qui est lourd. Voilà. Vous êtes évidemment fatigué, vous avez besoin de faire attention à votre santé, de boire aussi, on me dit boire de l'eau, boire beaucoup d'eau, buvez. Et puis éliminer, on me dit. Buvez de l'eau, évidemment. Reposez-vous. Et aussi, on me parle ici de source. Allez à la source. Faites confiance à l'univers, aux anges, aux archanges, à vous. Gardez la foi, vraiment. Waouh, les balances, ça m'a fait vraiment un immense plaisir de vous parler, d'échanger avec vous. Merci beaucoup. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Que tout se passe bien pour vous. Prenez soin de vous. Et merci pour votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Commentaire aussi. J'essaierai de vous répondre, mais c'est compliqué. Voilà. Je vous embrasse.